Hello les psychopathes du Stig, ici c'est le Faucheur de Pixels. Bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à Diablo 3 avec le Nécromancien. Alors j'ai du pot, j'ai chopé la faux et le bouclier de G7. Ça c'est cool. Je me suis aussi. Enfin, il manque plus que le torse en fait au niveau du stuff Ratma pour pouvoir faire le dernier objectif donc du chapitre qui est une faille 20 en solo. Allez, c'est parti. Go, go, go! Bon, par contre, j'ai pas l'anneau qui permet d'avoir deux mages, de faire pop deux mages en même temps, et ça, c'est vraiment chiant, je trouve. J'ai pris l'armée des morts pour pouvoir avoir un petit burst en plus, vu que j'ai pas le set complet de Ratma. Allez, go, go, go. Bon, normalement, pas de soucis. On a déjà un petit peu d'avance. Allez, on fait gaffe. Oh, c'est chiant ces maps. On s'y perd toujours un petit peu et on perd du temps. C'est parti. Il faut faire gaffe. Ah, je vais crever. Ah merde, j'étais coincé. Ah là c'est chiant là. Là je suis coincé de nouveau. Bah oui, j'ai plus l'anneau qui me permet de passer à travers les mobs. Hein. C'est de ma faute, gros noob que je suis. Bon allez, on se concentre. Voilà, je vais passer. Voilà, allez go. C'est vrai qu'une fois qu'on a l'anneau, je sais plus le nom de l'anneau exactement qui permet d'avoir un match supplémentaire et que celui-ci dure 3 ou 4 secondes en plus, je pense. Ben ça c'est vraiment utile. Je trouve que c'est d'ailleurs un bonus qui aurait dû être intégré directement au set plutôt que sur l'anneau. Bah ben bon. Parce que c'est quand même. Voilà, c'est vraiment la base de notre DPS, hein, les mages. Donc, faire pop 2 à la fois, c'est juste énorme. Hein. C'est obligatoire d'avoir cet anneau. On peut pas s'en passer hein, sur ce build. Allez, allez. Bon, une fois que j'aurai chopé bien sûr
le bonus 6 pièces hein, qui augmente les dégâts des mages. Je crois qu'il y en a 4 qui sont pop. Ça augmente les dégâts, je crois que 650%, un truc comme ça. Voilà. Allez, on va prendre des pylônes. Et on passe à une faille. Et on passe, voilà, d'autres niveaux. Allez, vite, armée des morts. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Toujours qu'on en prendre. Voilà. D'ailleurs, quand même, les élites tombent facilement. Hein. Donc, une fois que j'aurai chopé l'anneau et bonus 6 pièces de Ratma, ben, voilà. Ça va faire du café, tout ça. Allez, 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 allez. On avance tranquillement. Ça ne ferait pas poser de soucis, je pense, en tout cas, le boss de faille. Allez, allez, allez. Ah, ça manque quand même un peu de DPS. Hein. Là, normalement, je devrais avoir 8 mages de pop. Hein. Genre, je crois que 3 ou 4. Forcément. Ça diminue les dégâts. Ben voilà, un petit élite. Voilà. Allez, on va tâcher d'avancer un petit peu. Ah bah voilà, on va passer à une autre faille. Une avec max de mob et d'élite. Oula, il y a une balle. Ça c'est cool. Allez, un petit arme de mort. C'est pas bien grave. Les invocateurs, ils ont pas énormément envie. Allez, allez, allez. Voilà, nickel. Nickel. Allez, allez, du mob, du mob. Cadavre.
Allez, 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 allez. Le boss va bientôt pop, encore 2%. Nickel, allez. On la dépouille. Ah zut. Ah, petite maline. Bon, vous voyez, elle tombe assez rapidement. Hein. Même si j'ai pas les bonus à fond au niveau du set, ni l'anneau. Voilà. Et on débloque des offres en même temps. Cool. Je suis la meilleure pour ce qui est de raffiner les gemmes. Alors, on va augmenter. Voilà. Cette gemme-là. Qui augmente les dégâts des pets. Ah ben, un petit légendaire, magnifique tout ça. Allez hop, on TP. Et le chapitre 4 est terminé. Voilà, nouveau jalon. Ça ce sera pour un prochain épisode. Hein. Bon, les 4 chapitres se font assez facilement, sincèrement. Voilà, il n'y a pas de grande difficulté à les faire en tout cas. Hop, on ferme la faille. Nickel. On met nos points de parangon. Alors, hop, et voilà. La cuirasse et les jambières. Nickel. Nickel, nickel, nickel. On identifie tout ça. Et voilà, on va placer le plastron. Mais voilà, en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Hein. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit like et encore mieux, vous abonner. Hein. Et n'oubliez pas, achetez des jeux, jouez un max, éclatez-vous surtout. Et à bientôt pour un prochain épisode consacré à Diablo 3 avec le Nécro pour cette saison 11. Allez, salut à toutes et tous. Ciao, ciao.